Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de notre Google Home et des nouvelles applications, des nouveautés dans notre Google Home. On va pouvoir jouer avec certaines applications, on va pouvoir se régaler à partager des informations. Et ça, c'est vraiment super génial. Alors, on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo. Surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Car beaucoup de démos, de présentations, de tutos sur ma chaîne YouTube. Et vous savez, comme sur ma chaîne, on partage, on s'aide, on s'entraide. Et ça, c'est l'essentiel. Merci aujourd'hui aux 8700 abonnés. C'est vraiment super génial. On continue avec cette vidéo sur notre Google Home. On va tout de suite demander à notre Google Home une application très spécifique pour maîtriser les odeurs olfactives. Et cette application s'appelle Guerlain. Très bien, je vous mets en relation avec Guerlain. Bonjour et bienvenue dans la maison Guerlain, artisan parfumeur depuis plus de 190 ans. Souhaitez-vous débuter un voyage olfactif pour vous aider à trouver le parfum qui correspond à vos envies ou écouter notre dernier podcast entre émotion et création par Thierry Vasseur? Très bien, je vous propose de commencer ensemble notre voyage olfactif afin de découvrir un parfum que vous pourriez aimer. Souhaitez-vous découvrir l'un de nos parfums pour femmes ou pour hommes? Pour hommes. Les souvenirs ont toujours un parfum. Il vous fait voyager dans le temps en vous rappelant des émotions ou des moments qui vous ont marqué. Maintenant, fermez les yeux et imaginez, parmi ces trois univers, dites-moi celui dans lequel vous aimeriez vous retrouver. L'orangerie d'un château, ressentant la fraîcheur vivifiante des agrumes, une balade à cheval en forêt où se mêlent des senteurs boisées et de cuir. Dans un palais où flottent parfums sensuels et notes orientales. Sur un cheval. Très bien, les parfums boisés semblent être votre univers de prédilection. Cette famille olfactive se décline autour de différentes nuances. Continuons notre voyage pour les découvrir. Laquelle de ces destinations vous attire le plus? Capri, entouré par le parfum des agrumes, Grasse pour une balade rythmée par le parfum des fleurs. Casablanca, dans l'ambiance ensorcelante des notes orientales. Casablanca. Parfait, la tonalité boisée qui vous correspondrait est accompagnée de notes orientales. Pour terminer, si vous deviez ajouter votre touche personnelle à votre parfum, ce serait des notes de cuir évoquant le Moyen-Orient, des notes chaleureuses d'épices et de vanille. Notes d'épices et de vanille. Merci beaucoup, à l'écoute de vos réponses, j'ai le plaisir de vous proposer les deux fragrances de la maison Guerlain qui vous correspondent le mieux. Je vous invite à découvrir Habit Rougeau de Parfum. Ce parfum incarne un dandy qui conjugue sophistication et raffinement. Il conduit son existence avec fougue et se distingue par un sillage d'une sensualité extrême. Ou bien encore, L'Homme Idéal Intense, un parfum boisé oriental épicé vigoureusement élégant pour un sillage résolument intrigant. Souhaitez-vous maintenant recevoir le récapitulatif de votre sélection de parfums par SMS sur votre téléphone mobile? Oui. Merci, je vous écoute pour la dictée de votre numéro de téléphone portable. 06 soit. Parfait, je viens de vous envoyer votre sélection par SMS. Souhaitez-vous que nous conservions vos coordonnées et vos préférences olfactives afin de recevoir des offres exclusives de la maison? Sans votre consentement, vos coordonnées ne seront pas conservées à la suite de cette expérience. Voilà donc, comme vous pouvez voir ici, la maison Guerlain vient de m'envoyer un SMS sur mon portable. Samedi 14 juillet 2018. La maison Guerlain a le plaisir de vous partager les parfums qui vous correspondent le plus. Habit Rougeau de Parfum et L'Homme Idéal Intense. Voilà donc, si vous désirez connaître les parfums qui peuvent vous convenir, appelez à la rescousse votre Google Home, appelez l'application Guerlain et vous allez découvrir pas mal de choses. Allez, on passe à la seconde. Merci de regarder cette vidéo et à tout de suite pour la deuxième application. Pour cette deuxième application, la radio Toulouse a fait sa propre application Google Home et on va tout simplement demander à notre Google Home Toulouse FM. Très bien, je vous mets en relation avec Toulouse FM. Je suis l'agent Toulouse FM, je peux vous diffuser le dernier flash info ou bien la radio Toulouse FM en direct.
Que voulez-vous? La radio. Je mets la radio Toulouse FM. Vous vous demandez sûrement ce que je sais faire. Pour l'instant, je peux vous proposer deux choses, le dernier flash info ou bien diffuser la radio Toulouse FM. Stop. Voilà, donc avec cette application Toulouse FM, vous allez pouvoir écouter les derniers podcasts et la radio Toulouse FM en direct. D'ailleurs, un grand bonjour à tous les Toulousains qui regarderont cette vidéo. J'en connais vraiment beaucoup puisque j'habitais du côté de Carcassonne. Donc, un grand bonjour à tous les Toulousains. Et on passe donc à la troisième application. C'est parti. Vous connaissez certainement le jeu Animal Crossing. Animal Crossing est un jeu très connu dans le monde des tablettes et des smartphones. Et sur notre Google Home, on peut l'interroger à ce sujet. Allez, on y va, c'est parti. Animal Crossing Trivia. Très bien, je vous mets en relation avec Animal Crossing Trivia. Bonjour, c'est l'heure du Animal Crossing Trivia. Super, on y va. Première question. Combien de jeux Animal Crossing y a-t-il eu au total? 5, 7 ou 4? 7. Sans l'ombre d'un doute, c'est une bonne réponse. Question numéro 2, c'est reparti. Quel est le nom du secrétaire du maire dans Animal Crossing New Leaf? Isabella, Isabelle ou Yann? Yann. Bien essayé, mais non. Dommage, vous vouliez sûrement dire Isabelle, essayez celle-ci. Les personnages Sable, Mabel et Labelle sont des sœurs, les cousins ou les amis? Ok, voici votre score, 1 sur 16. Au revoir. Animal Crossing Trivia va vous poser tout un tas de questions sur ce jeu. Donc si vous êtes un passionné de ce jeu, vous allez certainement vous régaler à répondre à toutes ces questions. Allez, et si on se tentait une nouvelle application pour continuer dans cette vidéo qui, j'espère, vous plaît et vous donne envie de vous abonner à la chaîne. C'est parti pour la quatrième application. Et dans cette application, vous allez connaître les relations de sang. Une application qui va nous apprendre comment on va comprendre qui est le frère de l'oncle, de la sœur, du grand-père, de la mère à mon grand-père. Oh putain, je sais pas. Eh bien écoutez, dans cette application Relation de sang, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Et encore ici, grâce à notre Google Home. Allez, c'est parti, on va lui demander. Laisse-moi parler aux relations de sang. Très bien, je vous mets en relation avec Relation de sang. Et si on jouait encore un peu à un quiz de culture générale amusant? Ok, on y va. Première question. P est la mère de Kaka et la sœur de Dédé et le père de J. Comment P est-il lié à J? Tante, mère ou grand-mère? Grand-mère. Et c'est une bonne réponse. On enchaîne avec la question numéro 2. P est le frère de QRS et la mère de RT et le père de P. Lequel des énoncés suivants ne peut pas être définitivement vrai? P est le fils de S, Q est le fils de T, ou T est le père de Q? Pas exactement, non. La bonne réponse était Q est le fils de T, essayez celle-ci. Stop. Ok, voici votre score, 2 sur 4. Au revoir. Une grosse prise de tête si vraiment vous voulez vous amuser à ça. T est le frère de Q, S est la sœur de P, P est le sœur. C'est assez prise de tête, c'est assez sympa aussi de jouer à ce petit jeu. Donc dites-moi en commentaire si vous avez testé ce jeu et comment vous l'avez trouvé. C'est vraiment pas évident certaines fois. Et c'est parti pour la cinquième et dernière application sur notre Google Home. Allez, c'est parti, on va demander. Et pour cette dernière, on va pouvoir demander à consulter notre thème astral. Beaucoup de gens aiment se renseigner sur leur thème astral. Et ici, grâce à différentes informations que vous allez donner, vous serez donc au courant de votre thème astral.
Et pour cela, on demande à notre Google Home thème astral. Bien sûr, voici thème astral. Bienvenue sur thème astral. Vous pouvez demander un signe lunaire, le signe de Vénus, n'importe quel signe de planète ou thème astral complet. Thème astral complet. Quelle est la date de naissance, par exemple, 1er janvier 1990 ? 30 janvier 1973. Est-ce 30 janvier 1973 ? Oui. Quelle est l'heure de naissance, par exemple, 9h du matin ? Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dire je ne sais pas. 8h. Est-ce 8h ? Oui. Quelle est la ville ou le pays de naissance, par exemple, Paris ? Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dire je ne sais pas. Paris. Est-ce Paris, France ? Oui. Voici le thème astral. Le soleil en Verseau, la lune en Sagittaire, Mercure en Verseau, Vénus en Capricorne. Voilà donc l'application thème astral. Vous n'avez simplement à demander cette application à votre Google Home et vous saurez tout sur votre thème astral. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai tous les mots-clés dans la description de parler avec ou tout simplement aujourd'hui, comme vous savez, il n'y a plus besoin de dire le mot-clé parler avec pour une très grande partie des applications. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez surtout à vous abonner. On va arriver à 9000 abonnés, ce qui est assez énorme et conséquent. Merci beaucoup à tous. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine, qui va donc parler de notre ami Alexa sur Amazon. Salut Alexa. Voulez-vous écouter Amazon Music ? Non. À très bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.